4, tu veux. Ça tourne? Ouais. Alright, allô gang. Petite vidéo cette fois-ci, un peu plus en mode plaisir. Fait que c'est une technique de gymnastique qui va s'apparier à un muscle-up. Un petit peu différent de le faire, on appelle ça un kip to support. Ce que ça aide, un mouvement comme ça, c'est surtout pour l'explosion du bassin. Apprendre à être conscient de notre corps, surtout de la puissance qu'un corps peut avoir dans un mouvement. Fait que je vous demande c'est quoi que je veux dire, après ce qu'on pense. Kip to support. Fait que ce que j'ai fait là, je vais dire le mot beat swing, mais je veux pas que vous commenciez à partir trop dans un autre axe. Mais c'est vraiment le même principe, c'est d'apprendre à utiliser son bassin correctement. J'ai commencé avec un false grip. C'est pas obligatoire, mais c'est plus facile parce qu'on annule la première rotation, la première articulation. False grip, je m'installe solide en inverted hang qu'on appelle. Ensuite de ça, on doit activer les épaules. Fait que si je fais un shrug en haltéro, faut que j'essaie de faire la même chose, accroché aux anneaux. Fait que je suis ici, puis je vais me tirer les pieds pour que les pieds montent vers le plafond pour activer un peu mes épaules. Ensuite de ça, je vais aller briser mon axe. Vous allez voir que mon fessier, je vais le refaire, mais mon fessier va sortir de l'axe de l'anneau. Fait que je vais former comme un V avec mes hanches, mes fesses, mes jambes qui l'accordent. Fait que vous allez former ce V-là, puis vous allez sentir que le fait que vous n'avez pas de relâchement, c'est pour ça que je dis qu'il faut activer les épaules, vous allez sentir une certaine puissance qui peut se dégager de vos hanches. Et de là, une bonne explosion, on joue un peu avec l'axe pour qu'on est capable d'aboutir en kip to support. On s'amuse un peu, puis après ça, vous allez voir que à force de faire ce mouvement-là, ça peut être même plus facile à obtenir qu'un muscle. Fait qu'une dernière fois, false grip, inverted pull, j'active mes épaules, je brise mon axe, j'explose, j'atterris, et je finis. Ciao, gang!